3 matins. Dans le cocon de mon foyer, de petits plats je concoctais, afin que chacun à son heure, rassuré, y trouve son bonheur. Pour le bien-être de la maisonnée, sachant que chacun va apprécier, pour le plaisir, créer chaleur, qui naturellement chassera les peurs. Pour combler les besoins de chacun, tous ensemble, on ne fait qu'un. Mais cela est-il suffisant pour remplir ce vide, ce néant? Au fil du temps, tant déployé, de ces trésors d'ingéniosité, tout dire, tout faire, jamais assez, trop peu pour plaire. Bonjour, bienvenue à la Vallée des Arts. J'espère que cette semaine, vous êtes prêtes pour des... prêts et prêtes pour de belles surprises parce que j'ai une artiste invitée qui travaille avec des encres aquarelles, ce dont on n'a jamais parlé. Et je vous présente dès maintenant Hugo Bellemare. Bonjour France. Bonjour. Ça va? Oui, ça va très bien. Bon. Toi aussi? J'espère. En forme, oui, ça va oui, bien je aller, suis tu en forme. Vas voir. Oui, oui. Toi, tu es une grand-maman. Oui, hein? Oui. Puis, tu m'as dit que ça prenait le pas par-dessus la peinture quelquefois. Oui, oui. Avec une fauve de 10 ans puis un ormari de 8 mois. Bon. Je suis partagée dans deux univers. Oh. Alors, j'avoue que pour moi, la peinture, l'atelier, c'est peut-être pas ma première passion. Oui. Après ces deux petits amours-là. Absolument. D'ailleurs, c'est bien, c'est dans le bonheur. Ah oui, oui, puis c'est dans le bonheur en plus. Là, les deux occasions sont dans le bonheur. Mm-hmm. Mais même, tu trouves quand même du temps je pour trouve peindre. Du temps, oui. Là, je t'ai bousculé un peu là, pour l'émission. Oui, 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 bon. Vraiment, parce que ça faisait 4 mois à peu près que je n'étais pas allée dans mon atelier. Mais tu jouais en masse. Oui, avec mais les petits. Je regardais l'atelier, je ne voyais pas quel projet je voulais entreprendre. Wow. Alors, ça m'a donné un petit coup de pouce là, de venir ici pour présenter mes choses. Je t'ai donné un coup de pouce, oui. Je vous donne un coup de pied. Enfin non, mais c'est parce que je veux inciter les gens toujours à découvrir des choses, à s'intéresser. Et puis, je pense que ça fonctionne bien. Vois-tu, Hugo, on a parlé d'encre aquarelle. Oui. Sont ici tes encres, oui. Hein? Oui. OK. Alors, pourquoi tu appelles ça encre aquarelle et technique mix également? On va en parler tout le long. Ah oui, c'est certain que les techniques mix ne sont jamais loin. OK. Pourquoi encre aquarelle? C'est que c'est quand même... On est habitué en aquarelle de travailler avec des pigments. Oui. OK? Oui, oui. Et avec les années, je me suis aperçue que le pigment ne m'apportait pas assez de force, de puissance à mes couleurs. Oui, je comprends. Alors là, on m'a parlé d'encre aquarelle, mais il y a différentes catégories, différentes sortes. Hein, oui. Et l'encre que j'ai... utilisée lors d'un atelier, c'était l'encre Sennelier. D'accord. Ça m'apparaît vraiment là, une encre de très grande qualité. Oui, absolument. Et on alors, c'est ce que j'exploite quand je fais des produits que je voudrais exposer. Mais pour mes expérimentations, oui, tu vas prendre d'autres marques. Okay. Comme le Winsor Newton, j'aime beaucoup aussi. Okay. Tu vois des différences quand oui, même. Oui, je vois les différences. Hein? Exemple, le PBO, disons que ça va me donner des effets, mais de pratique. Okay. Pas pour un produit que je veux exposer. OK. Tu vois, j'ai ici un papier dont on parle pas souvent. C'est du papier Yupo. Hein? Ça ressemble un peu à du papier photo, oui, mais c'est assez plastique. C'est très, très plastique. Okay. Moi, quand j'ai découvert le papier Yupo. T'es tombée en amour avec. Je faisais des aquarelles sur toutes les sortes de papiers. Oui. Tu connais probablement les papiers d'aquarelle. Et... j'ai commencé à perdre un peu d'intérêt après 7-8 ans. J'étais dans un cours, une formation, et on a dit, on va découvrir un nouveau papier. Ça fait peut-être 5-6 ans, moi, que je connais le papier Yupo. Et autant celles ou ceux qui l'ont essayé étaient déstabilisés. Oui. Parce qu'on est habitué à l'absorption, hein, en aquarelle. Oui. Et là, tout flotte tout le temps. Et puis, c'était bien on amusé. A beaucoup, on perd beaucoup le contrôle. OK. Pardon. OK. Et on n'a pas, en fait, on n'a pas de contrôle. On ne l'a pas. Ah, pas du tout. Non. Déjà qu'on l'a pas à l'aquarelle sur papier coton. C'est assez compliqué. Là-dessus, c'est encore, encore un autre ça, défi. Ça, c'est vraiment toujours les défis puis les effets du hasard. Qui, des fois, c'est des heureux hasards, mais des fois, ça fait des bruns. Oui. Hein, quand, en ce moment-là, ça devient on perd le contrôle. C'est terrible. Regarde ici, tu as commencé les premières étapes.
Ben, je vois qu'il y a, y a une espèce Oui, c'est de la lave noire, black lava, là, Ah, d'accord, c'est OK. un genre de polymère. OK. Alors, je les ai sept tous, OK. j'en ai des tiroirs pleins, et je OK. faisais des expériences, parce que sur le papier Yupo, c'est pas comme sur un papier d'aquarelle, c'est comme une toile. Oh, Quand non, tu veux non. faire un Oui. collage, OK. vraiment, il y a des choses qui ne vont pas sur Qui le n'adhère Yupo. Ah, oh, pas. non, non, ça n'adhère OK. pas, ça fait pas beau quand on travaille par-dessus. Alors, l'autre chose que je vais ajouter, si tu remarques, c'est des formats qui ne sont pas tellement grands. Oui, effectivement, oui, À c'est cause de vrai. ma méthode de travail, si tu D'accord, regardes une OK. pièce comme celle-ci, Oui. qui est OK. la page La page réelle, quand on achète une réelle, page Youpo. eh bien, c'est énormément comment je dirais ça, d'organisation, parce Oui. qu'on brasse l'eau, on brasse le papier, OK. et là, il y en a partout. Là, tu veux pas que ça bouge, ici, ça bouge. C'est vraiment plus compliqué de travailler sur des grands formats. Bien, d'accord. OK? OK. Alors, toi, tu privilégies jusqu'à un certain Oh, la point des demi, formats, oui, les demi, la demi-page et la tout ça. demi, mais ça, c'est plus petit que la demi quand Oh, même. moi, ça, c'est Hein? tout petit. Définitivement, ça, Oh, c'est ça, à peu c'est près même le le quart. quart. Oui, OK. les quarts de page. Alors, on voit ici, aussi ici des brillants, hein? T'aimes intégrer des choses. Oui, c'est les brillants qu'on avait achetés pour mettre sur la robe de mariage de ma fille. Il Bon, en non. restait quelques-uns, C'est alors parfait. pour moi, ils ont une belle valeur. Oui, absolument. Bon, c'est un tableau à en devenir parce qu'il n'est pas terminé, Non, hein? non, parce OK. qu'il me reste encore à faire beaucoup avec l'encre de Chine, tracer ici OK. là, OK. des profondeurs et tout ça. Mais c'est pour Excellent. montrer qu'on peut coller. Ça, c'est des papiers qu'on met sur les murs, des papiers de la Oui, tapisserie. bon, Oh oui, j'ai d'accord. découpé dans la OK. tapisserie. C'est ce qu'on appelle les techniques mixtes, hein? C'est on Oui, intègre des. oui. Tu vois Ici, ici, on tu as a du autre gel chose. filant. Oui, OK, Et d'accord. je trouvais que ça faisait, On va le montrer excuse-moi, ici, je t'en je prie. trouvais que ça faisait déjà juste le gel filant comme ça. J'ai dit, bon, je laisse aller parce que, bon, j'ai l'impression que c'est des quenouilles ou OK, ben oui, on peut on voir ce sait qu'on veut. trop. Ça peut être un spermatozoïde ici, Oui. je te Ça, c'est pour souligne. montrer On a encore ici, du gel ici, oui, là. ça, c'est du OK. gel, mais comme ça, je veux dire, ça, c'est pas, on n'expose pas ça, là. C'est Non, trop de d'accord. couleurs. OK. Mais par contre, souvent, je vais me laisser aller Ah oui, c'est ça, pour travailler avec ton. vraiment Oui. essayer de voir avec un passe-partout les petites merveilles qui peuvent sortir. Oui, ça, OK? c'est surprenant. Oh, c'est fantastique à OK. travailler. Oui, Regarde juste comme d'accord. ici, par Bon, exemple. voyons, on a déjà un petit bijou ici, là, Oh, voyez-vous? oui. OK. Ça fait toute la différence à partir d'une grande pièce. Ah, ben Hein? oui, OK. mais j'ai travaillé longtemps, j'ai fait toute une exposition sur un travail par émergence. Oui. Alors, tu veux faire ressortir des personnages, OK. bon, fantaisistes, ça Oui, sort. Tu veux d'accord. faire des fleurs, tu commences avec cette méthode-là, et il y a toujours moyen. Si je voulais là-dedans, je trouverais des Oui. fleurs, c'est incroyable, c'est Oui. facile à Et trouver. tu avais, à un moment donné, décidé Ouais. d'exploiter une partie, là. D'accord. Ah OK. oui. C'est Ah comme oui. ça que Oui, ça naît en c'est ma façon de réalité. travailler. Ça me rassure aussi. Ah, tiens bon, ça te J'essaie. Oui, ça rassure. me rassure parce que C'est j'ai fait. de l'inconnu au départ, mais Oui. tu le structures, tu Oui. l'enrobes, tu le places. Oui. Et là, ça te rassure. Oui. OK. Alors que j'ai essayé des encres sur un autre médium, exemple la La toile, toile directement, oui. avec des encres. OK. Mais pour moi, la toile, c'est froid, c'est figé. OK. L'effet de l'eau, l'effet de l'encre, c'est pas du tout la même chose. Exactement. Alors, j'aime ça, mais pour moi, disons que c'est un essai, OK. mais je préfère les papiers. D'accord. Le papier Yupo principalement. Oui, mais tous les papiers. De toute façon, moi, depuis l'âge de 10 ans, je collectionne les papiers. Allons donc, toi. Mais moi, mes voyages, je reviens toujours avec du papier à lettres. J'ai toujours des papiers, j'aime le papier. OK. Mais là, c'est pour le moment, c'est Yupo. OK. Tu L'an prochain, si l'adoptes. on se revoit, je ne sais pas ce que ce sera, mais ça fait 4-5 ans que j'ai vraiment un coup de cœur OK. pour le Yupo. Bon, ben alors, je t'invite à m'appeler et Oui. tu me dis, France, Quand je j'ai un serai nouveau prête pour papier à autre te chose. montrer. J'ai d'autres choses à faire dans la vie. Là, je Là, viendrai te lequel des voir. deux je prends en premier, Hugo, s'il Ben, te on va prendre plaît? celui-ci. D'accord. Parce que je veux le montrer
On a ici, bon, tu nous l'expliques si tu veux, oui. Tu as déjà situé des fleurs. Là. Oui, parce que je ne travaille pas toujours uniquement là, dans l'abstraction comme ça, pour essayer de trouver des choses par émergence. Okay. J'aime beaucoup les fleurs. Okay? Mm-hmm. Alors, avec le Yupo et les encres, bon, ce que j'ai fait dans un premier temps, parce que je savais que si je n'aurais pas assez de temps, j'ai fait un peu okay. de fleurs. OK, c'est parfait. Elle a travaillé pour nous, expressément absolument, pour nous, c'est gentil. Oui. Et là, je vois ton vase. Oui, alors okay? j'ai fait le vase, je fais ça avec des crayons aquarelles, et ça disparaît. OK, puis on a du gel ici. Hein? Du oui. gel, là? Tu vois, il y en a partout. Oui, il y en a. Il y en a okay. sur toute la feuille. Et là, tu l'exploiterais. OK. Alors, celui-là, tantôt, okay. je vais vous montrer ma technique okay. en faisant le vase devant vous. OK. Parfait. Ah, excellent. Excellent. Ici, je le tiens comme ça. Je veux que je le tienne comment? Bon, n'importe comment. OK. Parce que c'est tant que c'est pas signé, là, on ne sait pas dans quelle heure. Alors, celui-là, ça va être une grosse fleur. Oui, OK. Aujourd'hui, je me suis concentrée un peu. Là. Alors, ça, c'est une grosse fleur. J'ai commencé un peu hier là, pour montrer... Bon, le cœur, j'avoue que c'est un gros cœur, comme le mien, là. Okay. On est généreux. Un cœur qui déborde d'amour. Oui. Alors, je voulais montrer la différence entre faire couler et dessiner. D'accord. Tantôt, je vais juste faire couler ici un pétale. Ah, c'est intéressant. Tu vas voir la différence. Oui, c'est beaucoup d'accord. moins... Ça, je trouve ça un peu statique, un peu figé. Okay. Tandis que ici, tu vas voir, ça bouge et puis c'est vraiment différent. Excellent. Alors, toi, c'est une vraie passion. On le sent dans ce que tu nous donnes là, comme information. Et tu dis que tu adorais les papiers quand tu étais petite. Oui, j'ai toujours aimé les papiers. Donc, sur les bancs de l'école, au départ, tu aimais ça, le tracer tes devoirs? Non. Non? J'aimais toucher le papier. Le papier, moi, pour moi, ma grande découverte, c'est avec les livres. Mm-hmm. Ma grande passion, moi, je suis une boulimique de lecture. D'accord. J'ai étudié en littérature, j'ai enseigné en littérature et en français. Justement, on pourrait dire en français, donc on pourrait dire que c'est comme une deuxième carrière, dans le sens que tu as remplacé l'enseignement... que tu es retraitée de l'enseignement. Oui. D'accord, je l'apprends, on l'apprend. Oui. Mais tu as remplacé ça par la vie avec les petits-enfants et la peinture. Oui. Ce qui te nourrit. Je t'avoue qu'en te faire ceci, là, jouer avec l'eau et corriger des dissertations. OK. Ah, bien, écoute, il y a un monde de différence. C'est le bonheur. Mais c'est ça, c'est pas un travail, c'est une passion. C'est pas autre chose. L'autre aussi, c'est une passion. Ma carrière est une passion. Bon, mais si tu enseignes avec amour, il y a des gens heureux aujourd'hui. Oh oui, sûrement, oui. On a quelques secondes. Ce que tu vas faire en revenant de la pause, tu vas mettre ton tablier durant la pause et on va commencer à travailler les deux étapes de ces deux tableaux-là. Oui. D'accord, OK. Parfait. On arrête tout de suite. On revient après la pause. Soyez au rendez-vous. On est de retour. Merci d'être là. Ici, j'ai de l'encre. C'est amusant. J'aime beaucoup ça. Je n'avais pas vu cette encre-là avec des pigments, des dorures dedans. Alors, toi, tu aimes ça travailler avec les brillants. Ah, oh, hein? Écoute, il y en a partout, des brillants. D'accord. Ici, j'ai un pot. Ça, c'est de la poudre de perlimpinpin. C'est bien ça? Oui, une poudre magique. On a de la poudre magique ici. Elle en a mis, je ne sais pas si vous pouvez voir à l'écran, là. Si on peut faire un miracle, aller chercher. Il y en a juste un petit peu et tu vas la mouiller. Oui, tu vas je vais te mettre un petit peu d'eau là-dessus. Je vais m'en servir. Là, disons que ce que je fais, je vais simplement vous montrer. OK. OK. Là, je vais le mettre de côté. Bien sûr. Ça. OK. Moi aussi, je me mets de côté. Oui. Tiens. OK. Je vais laisser toute la place. Alors, tu as mis juste un peu d'eau dans ces pigments. Oui. Il n'y a donc aucun lien, là. C'est absolument c'est pas. Que non. Pigments. Que du pigment pur, juste ça. Un tout petit peu. Oui. OK. Alors, j'ai mon petit kit, j'ai mon tablier. Souvent, je me trouve paresseuse. Pourquoi? Mais quand je sors ce tablier-là, là, je ne suis vraiment pas paresseuse parce qu'il est tellement plein de belles encres que j'ai l'impression que je travaille parfois. Bon, c'est bien ça. Bon, alors ici, je vais vous montrer un petit peu, moi, comment je procède pour faire couler, pour faire des beaux vases. Alors, dans un premier temps, je vais mouiller. OK.
tu mouilles à l'intérieur des lignes que tu avais déjà tracées oui, au crayon aquarellable. Oui, quand je fais une pièce un petit peu plus concrète, là. Oui. Je mouille. Plus figurative. Plus figurative, c'est le mot que je cherchais. D'accord. Ben, d'accord. On travaille ensemble. Bon, alors naturellement, comme on a ces tons-là, je n'en irai pas faire un vase qui n'aurait pas de l'allure, mettons. Tu vas aller trouver autre chose. Oui. D'accord. Alors, pour toi, ça serait une couleur complémentaire? Bon, mon beau petit jaune, okay. Ici. Tu vas voir, je vais... j'ai sorti un petit peu de mon... Et c'est très rare que je vais prendre mon pinceau pour aller dans mon pot d'encre. Oui, parce que ça... Ah, j'adore ça, là, aller comme ça. Là. Ah, tiens donc! Ah oui, oui. OK. On dirait qu'elle est en train de l'iode. Elle a choisi une encre. C'est un petit jaune clair. Oui. C'est pour ça aussi que quand je fais une grande, grande pièce, oui. Collée ou non, mais je vais tchoum comme ça. Ah oui, je te crois. Si tu me le dis, je te crois. Ah oui. Hein? L'artiste. Oh, c'est le fun, ça. Oui. Putain, alors, je vais compléter un petit peu de... Deux, trois sortes de jaune. OK. Après ça... On voit tout de suite que ça fuit sur le papier, là. Ah même oui, si tu le vois, hein? Ça va suivre l'eau automatiquement. Oui. Ah, OK. Ouais. Ouh! Non, il va là, dans je le suis en fer de sienne. Oui, un petit peu foncé. D'accord. Alors, je dépose comme ça mes couleurs. Il y en a un qui n'est pas fermé, là, ça te dérange-tu? Celui-ci. Bon, je sais que je vais avoir à m'en servir. Ah, moi, j'ai assez peur de jouer avec de l'encre, là, ça tâche tellement. Ah oui, oui, c'est pour terrible. Ça que je la referme aussitôt, mais ça va. Ah, c'est arrivé que je les ai accrochés. Aïe. Comme ça arrive à tous les aquarellistes de prendre leur pinceau dans leur verre d'eau. Là. Ah oui, hein? Dans le café. Ça, ça, dans le café. Dans le café, dans le verre de vin. Ah oui, oui. OK. Dépendamment de l'encre. Alors, une fois que j'ai pas mal de pigments, là, j'ai de l'eau. Oui. Tu vois, là, je commence dans un premier temps, là, mon petit jeu de... De faire voyager ouais, la couleur. De l'eau, tu sais, il n'y en a jamais trop. Oui. Là, je vais faire voyager ça, tu vas voir. D'accord. Là, tu t'inspires de... OK. Alors, on essaie de couler. On voit... Ah, c'est intéressant parce que, tu vois, je suis certaine qu'on n'a pas eu à notre émission de démonstration à aucun moment de ce travail. De c'est fort agréable. De gens qui n'ont pas peur. Ah oui. OK. Alors là, c'est le bout vraiment captivant de l'histoire. Oui, OK. Parce que, tout simplement, tu promènes tes couleurs. Tu vois? Oui. Tu es sûr que je veux que ce côté-là soit un petit peu plus foncé. Mm-hmm. Bon. On est en train de peindre, là. Oui. Alors, si tu remarques ici, tu vois, déjà, j'ai mes, un peu de pâle, de plus foncé. Mm-hmm. Puis je m'étais apporté un petit peu de sanguine parce que vers la base de mon vase, parce que j'en ai mis ici. OK. Pour un rappel. Ouais. Hein? On veut un rappel de couleur là, de, ouais, pour équilibrer. Oui, oui, oui. Ouais. C'est beau, cette couleur, oh, en encre. Magnifique. Ouais. Mm-hmm. Alors, je vais en placer un petit peu ici. Je veux savoir combien il nous reste de temps, parce que tu veux faire autre chose. Ah oui, je veux juste... Oui. J'aimerais avoir une petite idée de combien de temps. C'est rare, je me demande d'habitude. Ben, regarde, on a 7 minutes. Ah bon, regarde, je vais couler celui-là. De toute façon, après, il va falloir qu'il sèche. Parce que je voulais être sûre que tu aies le temps de faire ta deuxième, ouais, okay. deuxième toile, ton deuxième travail. Merci. Bon, c'est certain qu'une fois que cette, ça va avoir un petit peu séché. Oui. Alors là... Ça s'en va dans les fleurs. Ça, est-ce que ça t'ennuie? Non, oui, ça m'ennuie pas plus qu'il faut. Non, tu vas régler ça sur le ballon. On règle ça comme ça. On aime ça, les accidents, parce que ça nous permet d'apprendre autre chose. Ça me règle, ça me dérange absolument pas. Ici, je vais avoir tous mes feuillages et tout ça. Et c'est certain que tantôt, je vais rajouter, là, je le laisse comme ça pour qu'il prenne un peu. Mm-hmm. Mais après, je vais prendre un rouge, le rouge qui est ici, puis je vais en mettre. Tu vas en ajouter. Oui. Justement, encore. Mais c'est ça qui est le fun, parce qu'une fois que j'ai mis un peu ma base, avec l'encre, je peux après rajouter une autre couleur. OK.
Le semi-sèche, okay. Rajouter de l'eau pour faire recouler. Tel que c'est là, en ce moment, ça prendrait combien de temps à sécher? Oh, pour ça devrait prendre... Ben, si je prends pas le sèche, quand je vais aller vite, ça prend le séchoir, mais sinon... Tu travailles au séchoir avec de l'encre? Oui, quand je... Mais là, ça va prendre sûrement 15-20 minutes à sécher. Bon. Fait qu'on peut laisser... Veux-tu j'en mettre un peu de rouge? Je sais pas, j'en ai apporté. C'est comme tu veux. Ah, attends, je vais te montrer. Ah oui, nos dorures. Okay. Ah oui, ah oui. Quand tu c'est là que tu déposes. Bon, okay. C'est là nos brillants. Regarde-moi cette brillance, toi. Tiens, regarde ici. Oui, puis ça travaille, là. Ah, ça, je sais pas si vous pouvez bien voir, mais moi, je m'amuse beaucoup. Oui, oui, absolument. Quand ça sèche, évidemment, ça prend encore plus de... Et là, la dorure, elle, regarde déjà. Oui, OK. Alors, je la remonte ici. Regarde, tu vois, c'est complètement différent quand tu ajoutes ça. Oui, puis ça travaille dans nos couleurs. Oui. OK. Bon. Comme là, c'est certain que parfois, là, je peux travailler encore 5, 10, 15, 20 minutes pour ajouter mon jaune et tout ça. Mais je vais te montrer comment faire. OK. On a vu qu'on a bâti le vase. Oui, là, mais tu vas revenir pour aller chercher, pour ajouter de la sanguine, pour aller chercher un équilibre. Une harmonie, OK. Une harmonie, oui. Merci. Moi, je vais le déplacer. Mais je ne sais pas si on le voit à la caméra, la belle brillance que ça donne non, avec l'or. Non, je ne pense pas qu'on puisse le capter, mais nous, prenez ma parole. Oui, c'est parce que là, il est mouillé, on ne pourra pas le lever davantage. Séché. Oui, bon, celui-là, tu voulais nous faire quoi? Oui, celui-là, j'ai même hésité à l'apporter, mais j'ai dit non, c'est ça une démonstration. Il ne faut pas toujours avoir juste nos bons coups. Ah bon? Alors, ici, j'ai travaillé sans trop laisser couler. J'ai mis mes couleurs, j'ai pris de l'eau, puis j'ai tendu. Mais j'aime pas tellement l'effet que ça donne. OK. Alors, on va faire... Parce que quand on fait une grosse fleur, quand je fais couler... Il faut que j'en fasse un pétale à la fois, parce que quand je fais couler celui-ci, si j'ai de la couleur là, j'ai plus de contrôle sur les deux autres. Hein? C'est sûr, Comme là, on avait un vase, c'est correct, on a joué dans le vase. Mais ici, c'est sûr que c'est un pétale à la fois. Oui. On est vraiment d'accord. OK. Donc, toujours la même technique, là. OK. Peut-être paraître moins évident parce que c'est petit. Ça, c'est de l'encre à calligraphie. Ah! Ça travaille bien. Tu vas voir, ça fait vraiment spécial. Bon, j'ai pris, il n'y a pas de pipette. Alors, non, j'ai pris une pipette. Dans l'encre calligraphie, il n'y en a pas. D'un autre qui est. Oui. Et on y va. Ah, là, ça... Hein, tu vois, ça c'est bouge, différent. Ça bouge, oui. Oh, attention. Ah, non, c'est pas la bonne pipette. Je suis habituée de faire ma mesure parce que j'ai trop peur. Bien, c'est ça. C'est un bon réflexe. Oui. Alors, lui, je vais le descendre un petit peu. OK. Juste pour t'indiquer, là, il nous reste 3 minutes. Okay. C'est beaucoup de temps, je voulais te souligner. C'est beaucoup et c'est peu, mais... C'est beaucoup et c'est peu. Un petit peu de ici. Là, on a un beau mauve. Violet. Ah là, tu vas jouer, tu vas les faire se marier. Oui. Hein? Donc, c'est pas la même chose du tout que pour les deux autres pétales. Puis on voit bien que ça ne donnera pas de toute façon, le même effet. C'est une feuille d'exercice. Et avec ça aussi... Oui. Ce qui est très agréable, quand on fait des fleurs, naturellement, tu vois, le pigment se promène. Là. Oui. Alors moi, je peux donner... Tu les aides un peu. OK, ouais, d'accord. Ouais. Alors, on a encore une fois un exemple de travail qui est... on voit bien que ça passionne, On oublie tout, Vraiment, là, quand... je n'y vais pas souvent dans mon atelier, là. Je prends des grands moments sans y aller, mais quand je suis là... C'est 100%. 100%, que tu puis je m'amuse, C'est beau, là, quand ça va... Regarde, tu vois, alors, la différence entre ça et ça. Tout à fait. Mais pour moi, ce n'est pas perdu, ça, parce que je vais passer de l'eau, de l'alcool dedans. L'alcool aussi, ça fait des beaux effets. D'accord, hein? Regarde, on va avoir un petit goût d'alcool ici, là. Je sais pas si on... ça réagit. Je ne sais pas si vous l'avez vu à l'écran, là, mais instantanément, une goutte d'alcool, là, ça fait fuir la peinture. Oui, c'est ça, ça repousse. Puis on ne peut pas le lever aujourd'hui. On pourra mettre dans le vase, mais on n'en remettra pas. Dans le vase, non, ça ne tente pas, non, ça ne se prête pas. Non. Dans le pétale, oui. Non, dans le pétale, oui. Okay. Puis, mais ça, je reviens toujours là. Je t'avoue que c'est un peu gros là, pour ce que je voulais faire. Là, ça m'a...
ça m'a un peu dé... Ben là, on a fait un exercice. C'est ça que tu as dit, hein, en réalité. C'est un exercice. Oui. Mais c'est ça, le papier Yupo, là, lui, il travaille jusqu'à ce qu'il soit sec, hein? Oui. Mm-hmm. Ah oui, oui. Okay. Lui, il n'y a pas rien d'autre à faire que d'attendre, mm-hmm. parce que c'est sûr que les couleurs restent plus belles aussi si tu les laisses sécher naturellement. D'accord. Si tu prends le séchoir, ça, comme ça les fige. Oui, ça les fait cuire. Alors, en réalité. Oui, 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 oui. D'accord. Bien, Hugo, parle-nous de tes petits-enfants, vite, vite. Il nous reste quelques secondes. Ah, bien, j'ai... Oui, 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 vraiment. Surtout deux, à l'intervalle, une de 10 ans, mm-hmm. Fauve, qui, elle, on a eu un beau trip ensemble parce que c'était elle qui donnait le nom. Je faisais des personnages imaginaires avec mon Yupo. Elle les nommait. Alors, c'était elle qui disait, grand-maman, moi, je vais te les nommer. Alors, on a eu des grigous, on a eu des électros, on a eu des pataques. Et ça, c'était une période merveilleuse. Pour elle et pour grand-maman. Puis, pour grand-maman aussi. Puis là, on a un beau projet parce que ma fille écrit, elle étudie pour être comédienne, mais elle écrit des pièces de théâtre. Okay. Alors, elle, et là, elle va s'inspirer elle a fait une pièce l'an passé qui était jouée à l'Assomption, mais là, on veut écrire une pièce et grand-maman va faire probablement faire des illustrations. C'est un projet qu'on a en commun. Merci beaucoup, Hugo, d'avoir partagé avec toi, avec ça nous, me fait plaisir. Ton univers. Merci. Et puis, on a eu pas mal de matériel. Je vous remercie d'avoir été là. À la semaine prochaine. Femmes de tête, femmes de cœur, la région regorge de femmes passionnées qui font la différence. Faites connaissance avec ces femmes inspirantes dans l'émission Elles. TVR9, en collaboration avec Femmes Essor, Montérégie et les Cercles d'entraide de la Rive-Sud, est fière de présenter des modèles féminins, des services aux femmes et des capsules nutrition.